T'es algérien? Oui. Tu vas bien en Algérie. En touriste, quoi. Vous n'y avez pas déjà été? Non. J'ai réussi à l'éviter, et ça me cause quelques petits ennuis, d'ailleurs. Alors vous êtes communiste? Vous êtes là pour longtemps? Je sais pas. Vous avez vu le juge? Non, j'ai pas vu le juge. Vous avez un avocat, au moins? J'ai pas les moyens. Oui, c'est cher, mais il faut un avocat, hein. Faut se bouger, mon vieux. Sinon, vous allez rester là pendant des mois. Et je le paye comme mon avocat. On trouve des moyens, ça, c'est pas le problème. Vous êtes seul? Ici, en France? Non, je suis marié, j'ai une petite fille. Ah oui? Bah, raison de plus, alors. Vous allez pas les laisser toutes seules? Oui? Myriam Bakouche? Oui, c'est moi. Je viens de la part de Kader. On était dans la même cellule. Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes sa part? L'homme est l'enfant de ses habitudes. Ça vous dit quelque chose? Entrez. Je n'ai que ça. Pour un avocat, ça va pas suffire. Je sais pas si c'est assez. C'est tout ce que j'ai. Je vous ferai signe. Pourquoi il n'est pas heureux, Kader? Il a tout. Une belle famille, un boulot. Il lui manque le plus important, l'Algérie. Dans sa tête, il est toujours là-bas. Tout lui manque. Le soleil, les parfums, les montagnes. Ça finira bien par lui passer, va. Patrick, ça fait presque 20 ans qu'on est ici. 20 ans. Et Myriam Bakouche, elle est heureuse. Tu restes dîner avec nous? Ça lui ferait plaisir. Seulement à lui? Non, à moi aussi. Tu restes manger? Allô? Allô, Patrick, c'est Myriam. Pardon de déranger si tard, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé quelque chose de grave? Oui. On a Kader, pas eu un accident? Non, non, t'inquiète pas, mais... J'aurais besoin de ton aide. Je peux passer te voir demain matin. Ça te va? Merci beaucoup. À demain. C'est qui, cette Myriam? Une amie. Une amie qui t'appelle au milieu de la nuit? C'est ça? Je crois que tu dormais chez toi ce soir. Ça lui ressemble pas, Yasmina. On va pas faire ça. Pourquoi tu t'intéresses à elle, toi, d'un coup? T'as tenu au courant ou quoi? Non, pas du tout. Tu savais qu'elle nous avait causé des problèmes? Non, j'appelais comme ça pour savoir comment ça allait. C'est grave ce qu'elle a fait, Patrick. C'est très grave. Je suis pas venu en France pour que mes enfants deviennent des délinquants. Hein. Ça t'est jamais arrivé à toi de faire des bêtises à son âge? T'es bien placé pour parler, monsieur le futur député. Je la ramène au bled, un point, c'est tout. C'est la première fois, non? C'est certainement la dernière, ça, tu comprends. Myriam, j'ai essayé de lui parler, crois-moi. Il veut rien entendre. Essaie encore, je t'en prie. Autant demander à un chat d'aboyer. Et ton mari veut retourner en Algérie. C'est une idée fixe. Alors il va me perdre. On est pris, monsieur Deschamps. J'arrive. Je te laisse. Merci encore, Patrick. Attends. Je t'écris ça. Tu sais, pour les élections, je peux pas voter, mais le cœur y est. Si ton cœur est avec moi. Chère Myriam, puisque tu sais désormais lire, je t'écris aujourd'hui ce que je n'ai jamais osé te dire. Je t'aime. Je sais qu'on ne pourra pas vivre cet amour, mais je me sens plus léger de te l'avoir avoué. Tu pourras toujours compter sur moi, Patrick.
va aller très loin, Yasmina. Tu sais, les femmes ont de plus en plus de postes à responsabilité. Même les immigrés? Elle est française, ta fille. Donc t'es en train de me dire qu'elle peut finir avocate ou médecin, c'est ça? À finir, commencer. Alors? Je suis désolé, madame. Je peux pas bénir la tombe de votre défunt mari. Je comprends. Vous pouvez pas faire une exception? Désolé, aucune. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب